Pour le casier de veau, vous allez commencer par l'assaisonner avec du sel et du poivre, puis vous l'enroulez dans un film alimentaire et faites-le cuire à l'eau frémissante pendant 8 minutes. Puis terminez la cuisson à la poêle avec un peu de beurre pour obtenir une jolie coloration. Enfin, taillez-le en fines tranches. Pour les légumes, commencez par enfourner pendant 10 minutes les graines de courge à 180 degrés avec 2 cuillères à soupe d'huile afin de les torréfier. Puis plongez les carottes nettoyées et brossées dans une eau bouillante pendant 8 minutes avant de les faire cuire tout doucement dans une poêle avec du miel. Ensuite, taillez le potimarron en quartier que vous disposerez dans une assiette, filmez-la et mettez-la 6 minutes au micro-ondes. Enfin, mettez les quartiers à confire dans une poêle avec un peu de beurre. Pour la sauce, dans un mortier, mettez les câpres, les raisins secs, les anchois, la gousse d'ail pelée et le basilic et réduisez le tout en pâte. Sans oublier, évidemment, d'incorporer l'huile, le vinaigre et le jus de citron. Pour le dressage, mélangez les légumes avec la sauce et les graines de courge torréfiées et les disposez sur un des côtés de l'assiette. Puis, placez les tranches de casier de veau de l'autre côté, coupez des petits morceaux de marron et disposez-les sur l'assiette et râpez-en tout autour. Et voici comment réaliser en 30 minutes chrono un casier de veau potimarron et carottes rôties pour épater vos amis.